Les choses s'accélèrent dans cette finale avec le passage maintenant de Yordan Yovtchev. Ils sont plusieurs excellents gymnastes dans cette équipe de Bulgarie. Tous ne sont pas là. On a décidé de donner sa chance à Christian Ivanov notamment. Mais dans cette équipe de Bulgarie, à Lausanne, il faudra suivre un autre gymnaste du nom d'Ivan Ivanov. Lui aussi est extrêmement fort, tout comme Yordan Yovtchev présent ici au sol. Salto arrière tendu, demi-tour, roulade avant. Avec difficulté classée D, donc un dixième. Et ici le diabolique corps tendu. C'est une difficulté classée E. Nous en sommes donc à 3 dixièmes de difficulté. Une vrille salto avant groupé. Un dixième. Ah, c'est superbe ce que réalise Yordan Yovtchev. Magnifique combinaison. Un gogoladze, enchaînement de cercle Thomas monté à l'équilibre. 3 dixièmes. Gogoladze, ancien membre de l'équipe d'Union soviétique, qui avait fait notamment les Jeux olympiques de Séoul en 1988. Exercice de maintien et de souplesse. Le tout avant d'attaquer la troisième et dernière diagonale pour Yordan Yovtchev. Double salto arrière tendu pour finir. Ouais, il manquait un tout petit peu d'impulsion, notamment dans la deuxième rotation. On a vu ses genoux se plier un peu à Yordan Yovtchev pour éviter la chute sur la réception. Acrobatie de haute voltige. On revoit ici son ouverture. Et changement de face avec demi-tour. Et ici l'amplitude dans les cercles Thomas pour Yordan Yovtchev. C'est un gymnaste extrêmement intéressant, Laurent, parce qu'il arrive à allier et à combiner les exercices de force avec un maximum d'impulsion dans les travaux au sol, mais aussi